Bonjour à tous, ici Directa et aujourd'hui je vais vous présenter l'application Radios. Cette application va vous permettre d'écouter la radio gratuitement et avec du style parce qu'elle est vraiment très très belle, elle a une interface magnifique. Donc moi vous savez très bien que j'accorde de l'importance à l'interface des applications et là je suis servi avec cette application qui est juste vraiment très très belle à l'intérieur. Donc là dès que vous ouvrez l'application vous avez un choix de radio que le développeur a mis, il a mis les radios les plus écoutées en France. Voilà, donc là voilà toutes les radios, je vais écouter Skyrock par exemple, donc je clique sur Skyrock. Une fois la radio sélectionnée, vous allez avoir le lecteur en bas, donc vous cliquez sur le lecteur pour avoir le lecteur qui s'affiche. Donc là vous allez pouvoir mettre play, pause et suivant et précédent, mais vous allez aussi avoir l'aperçu de la musique que vous écoutez sur le lock screen sur cette radio. Ça c'est une sorte d'émission donc on voit pas spécialement, mais si je vais mettre Fun Radio où c'est une musique d'un artiste, je vais retourner sur l'écran de verrouillage et vous voyez que vous avez carrément comme si c'était, vous avez la musique, vous avez toutes les informations, la couverture, tout. Et là vous allez pouvoir aussi mettre si vous avez une enceinte AirPlay sur AirPlay, donc c'est plutôt sympa. Vous allez aussi pouvoir partager la musique que vous écoutez sur les réseaux sociaux, Twitter, mail, même par mail et par message. Donc là vous voyez j'écoute Dentem de Jérémy et je peux sur Fun Radio, je peux le partager sur Twitter. Aussi la possibilité de choisir une radio aléatoirement avec ce bouton. Donc là ça met New Jack, une radio, je l'ai choisi aléatoirement. Donc c'est plutôt sympa si vous voulez découvrir des radios comme ça. En haut à droite de l'application, vous allez pouvoir accéder au réglage de l'application. Vous allez pouvoir activer le mode écho, ce qui va vous permettre d'enlever tout ce qui est couverture et information sur la musique sur le lock screen. Donc ça, il faut être en 3G pour l'activer. Donc c'est une bonne idée du développeur, moins consommer les données de votre forfait. Donc là vous allez pouvoir la partager sur les réseaux sociaux pour la faire connaître, pour avoir savoir plus d'applications du développeur et ainsi de le contacter si vous trouvez quelque chose à améliorer dans l'application ou lui faire des retours par rapport à son application et ainsi de noter l'application sur l'App Store. Le développeur m'a annoncé que dans une future mise à jour de l'application, une nouvelle fonction verrait le jour, c'est-à-dire que par exemple si vous aimez une musique comme là, par exemple c'est I Need a Dollar de Aloe Black, vous pourrez directement l'ouvrir dans Spotify ou Deezer, comme ça vous pourrez l'ajouter à votre playlist, donc ce qui est plutôt une bonne idée. Donc voilà, ça sera disponible dans les prochaines mises à jour de l'application Radios. La vidéo se termine, c'était DirectStyle pour la présentation de l'application Radios. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la commenter et très important à vous abonner à ma chaîne YouTube, ce qui va vous permettre de recevoir mes prochaines vidéos. C'était DirectStyle et moi je vous dis à la prochaine.